Ça y est, on sait enfin pourquoi le frelon asiatique est si invasif et pourquoi surtout il est arrivé d'Asie jusqu'ici. Ça y est, c'est confirmé, c'est sûr à 100%. Donc le frelon a bien pris le bateau. Vous voyez la barque derrière? Ben voilà. Donc là, on est à la réserve d'Arjouzan. Le technicien qui est là, qui est bien caché, il n'a pas envie de se montrer. Donc voilà, le frelon asiatique a bien pris le bateau, la preuve, c'est bien un bateau, hein, je vous ai pas menti. Alors j'avais le frelon dans un camping-car, j'avais le frelon un peu partout. Et là dans le bateau, bah, ça c'est la première hein, pour moi. Donc on peut voir une belle activité. Alors là, on ne sait pas du tout où est le nid. Donc en fait, il est là, il est dans la caisse. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir avant moi. Parce que moi, personnellement, je ne sais toujours pas où il est. Donc il est là-dessous. Alors, vu les frelons qu'il y a, je pense que ça va quand même être assez sympa. En plus, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir aller là-haut. Donc on va sûrement prendre une bonne dégazée, là, je pense. Ça va me changer. Avec une combi, mettre un sac à dos. Je vous garantir que c'est toujours un grand moment de solitude. Ah ouais, le nid est gros. Le nid a l'air gros. Bon, déjà, vous voyez, il y a quand même un signe. Hein. Il ne trompe pas, de toute façon. C'est toujours la taille des ouvrières. Donc, on s'y fie. Alors, vous voyez un peu la configuration du nid de frelon. Elle est toujours très sympa. Il est carrément dans une caisse. Et là, il s'est mis à l'intérieur. Hein. Bon, je m'en doutais hein, que le nid était gros. Il y a ces postes que je suis pas allé en slip. Il fait chaud aujourd'hui, putain. On a eu un temps de merde. Pendant 2 semaines, il a fait que flotter. Et là, ça y est, c'est mieux. Là, ça va mieux. Donc voilà. Frelon asiatique, invasif. Et nuisible. Alors bon, bah, le camping-car, la locomotive, mais ça, j'avais foiré la vidéo, donc je voulais pas montrer. Et puis tout ça quoi, tout le T20 quoi. Et vous voyez quand même que c'est un sacré loubar le frelon asiatique. Allez, hop, une petite vie sur le nid. Ah, les frelons viennent vous dire bonjour. Allez, la suite au prochain numéro.